présenter rôle au directeur général. Il est connu de tous. Directeur général, là, commandé la police, là, avec tout ça représenté. Mais le directeur général n'a pas accès direct, il ne commande pas directement les unités de sécurité du Palais national. Unité SAEO, c'est l'USGPN, qui a assuré troisième périmètre de sécurité, ça veut dire externe. Deuxième nom, c'est Katim, qui a assuré deuxième nom. Et dans deux présidents, dans chaque président, quel que soit côté président, l'équipe proche, c'est USP, ça veut dire l'équipe en version. Donc, je fais précision ça. L'INA, loi portant et création de la police nationale de 1994, et même moi arrêté, l'arrêté du 1er février 2016, et promulgué par l'administration Martelly Paul, qui dit qui, by des particularités que des unités ont gagné, parce qu'ils ont gagné, ils ont relevé de la police, certes, mais ils ont une certaine autonomie en matière de gestion quoi. Et la police, l'inspection générale, responsable de discipline en tant que mais accès à du déplacement président. Quel que soit côté président, il y a trois unités, dans le niveau troisième, deuxième, premier périmètre, c'est Yopoula. À la rigueur, sur demande, on va jouer au quatrième périmètre de sécurité qui est fait par la police dans la zone de côté policier, hein, ou bien sur demande spéciale, on va jouer l'autre unité spécialisée qui vient renforcer quatrième périmètre de sécurité. Donc là où dit-on que monsieur n'est pas capable de passer au l'ordre. En matière de déplacement, président, non. Parce que le président a une certaine sensibilité, une certaine discrétion que le président a gagné dans la gestion du monde qui est autour de lui. Cependant, dans l'autre question qui est sur discipline, et l'autre question qui est à faire pour transférer, même on n'est pas capable de transférer un policier et l'UGPN comme ça, sans que m'a géré, à moins que son cas qui grave son crime, que nous allons remettre à la justice. Donc, je n'ai pas gagné un commandement direct sous unité qui a assuré la sécurité, président. OK. Donc, ça veut dire que le président a gagné 4 petits détails que le patron connaît tout, parce qu'il a dit que le président Réléo, dans un moment, il a senti en détresse. Oui ou non, le patron Réléo, vraiment? Le président Réléo, bon fronti, jour 6 juillet, par la président, me dit, président, je vais monter l'opération. Besoin de ma corps. Parce que nous avons une fixation vite l'homme, nous avons plusieurs opérations de vite l'homme, nous avons nous saisi matériel. Finalement, je dis le 6, ma focus sur vite l'homme. Mais le président, me dit, président, besoin de pelle mécanique, besoin de matériel, si quelque chose n'a pas crasé l'espace que vite l'homme gagné sous ton celle-là. Effectivement, l'opération a commencé depuis 10 heures du matin. Pas de cage au matériel, président, même jour, fait me faire contact avec CNE pour me jouer nos pelles mécaniques. L'un vient faire opération pour nous craser l'espace-là. Parce que nous ne pas de bandit avec toute l'altitude. Ça. À 3 heures de l'après-midi, nous jouons le matériel. Là, et le matériel a commencé, pelle mécanique. Là, il a commencé le travail jusqu'à 11h30, nous finissons craser l'espace-là en partie. Et puis j'ai appelé le président à 11h30 PM. Monsieur le président, nous faisons opération capitale l'homme, nous pas jeûner, nous saisir de ton bagaille, nous craser Kaya. Alors, président dit, OK, bon bagaille, 11h30 PM. Alors, tout commandement est réuni dans la direction générale. Quand je parle du commandement, je parle de l'inspecteur général en chef de la police nationale, du directeur central de la police administrative, du directeur central de la police judiciaire et l'autre commandement, parce que l'on a fait opération d'envergure, tout le monde réuni, et puis l'opération est finie, tout le monde supposé rentrer dans la base pour nous faire un débriefing, ça qui passé, pour nous faire un bilan de l'opération. Nous étions dans la salle de conférence direction générale, aux environs de 1h15, aux environs, parce que je n'ai pas de téléphone, dans le même samedi devant le juge, 1h15, 1h30, le président m'appelle. Il dit, DG, moi, t'en dans pile et rafale dans la zone là, quand même. Et moi, besoin de backup. Il dit, président, qui sont fait? Qui est sur relais? Le président dit, moi, relais, la guerre civile, qui était coordonnateur de l'unité
et sécurité par les nationales. M'a joigné. Mais le Dimitri Erard, qui c'est responsable de l'UNGPN, l'unité de sécurité par les nationales, m'a pas joigné. M'a dit, président, m'a vini. Entre-temps, imaginez, entre 1h30, 1h35, quelque chose de terrain, tout le monde, moi, j'étais dans le bazar avec tout le commandant, c'est vrai, mais pour mobiliser les policiers qui étaient campés dans la machine et pour régler l'autre troupe, mobiliser des déos et soit team, libre mon titre pour me faire ça. Entre-temps, Parizon qui t'a dirigé, l'inspecteur général Parizon, membre de mon cabinet, qui t'a dirigé l'opération Torcel, rentré dans la base. Alors, on était en distance devant le directeur général, lui-même était non, côté de l'espace Piga. Déplacer ma jeune par l'heure. Mais entre-temps, avant ma jeune paraison, moi, j'ai le président deuxième fois. Pas jeune président. On a dit l'espace 5-10 minutes en deux, en premier appel. Et puis, il me dit paraison, moi, on se rappelle président, j'aimerais le pas jeune ni aller, puisque même, paraison, dit, président, il aime tout. Mais je suis rentré dans la base pour une machine blindée. Je me dis, par exemple, dégage-toi, allez rapide. Parce que, par exemple, son homme de confiance est très opérationnel, très dynamique. Je me dis, par exemple, montez. Par exemple, virer la machine, il allait avec l'équipe. Une seule machine. Parce que, et puis, entre-temps, moi-même, je mobilise l'équipe, moi, backup PAM, backup DCPJ, backup DCPA, l'autre backup qui était disponible pendant que j'ai les DDO, j'ai les SWAT pour nous déplacer. Et je me suis déplacé avec mon cortège. Du haut commandement. Je fais route pour me faire. Et puis, entre-temps, pendant que je passais sur l'aéroport, Delma 31, et puis pendant que je suis dans la zone tapis devant, par exemple, il dit, DG, moi, je vais vous appeler, dans la zone ça, il y a des gens qui braquent sur moi, moi, des policiers UNGPN, le responsable de l'UNGPN dit, commandant, vous n'avez pas besoin d'avancer parce que vous croyez c'est Zié qui a opéré. Je dis, par exemple, sortez-moi là. Moi, je dis au président menacé de l'île, qui a fait de Zié? Je dis, si Zié a fait une opération à l'Ozara, moi, je connais. Je dis, dégagez-vous, montez, entre-temps, je vais progresser. L'homme arrivé, on se casse pis devant, là, ça m'a mis dans son coup de frère, m'a monté. Par exemple, l'élément encore. Par exemple, dit, commandant, je vais me déplacer, je suis dans une zone basse par des même où est Bandio, même où est des gens qui descendent, moi, deux qui descendent pour aller à Pétionville. En tout temps, je suis arrivé à Pétionville. Donc, je fais barrage. Et puis, le par exemple, arrivé, troisième appel par exemple, quatrième appel, je dirais. Par exemple, il est DG, moi, je suis arrivé à président, nous perdons le président. Président Moule. Je me dis, par exemple, c'est vrai, moi, je vais vérifier. Je me dis, côté première dame, non. Première dame, non, blessée. Il n'est pas bon. Je me dis, passez une première dame, non. Je me dis, première, nous regrettons ça que nous faisons. Nous pas de disposition, par exemple, pour mener un côté pour aller prendre soin. Parce que je dis, blessé, je ne sais pas pourquoi on a blessé. Je me dis, par exemple, sans pas mener côté le bras, à sa discrétion, par exemple, organiser le cortège pour le descendre avec, pour le premier soin, parce qu'il a payé. Il était blessé grave. Entre temps, l'essentiel, puisque j'ai eu des informations, je réunis tout le monde, tout le commandement de ça. Soit j'ai arrivé avec un blindé, moi j'ai rentré et mobilisé tout le policier qui était dans le commissaire à Pétionville, tout le renfort qui était à venir. Mais il faut dire, entre temps, pendant que je suis sur route là, après le deuxième appel, président, brûlez la gueule. Je ne pas joindre la gueule. Alors le coordonnateur. Je brûle Dimitri. Je ne vais pas joindre Dimitri. Et puis il me dit, monsieur, c'est pas dans ce espace-là. Il dit, monsieur, n'a pas barré. Alors maintenant, nous barré pour Bokinam. Et puis l'autre côté était de l'eau. Tout côté n'est côté qu'à descendre parce que l'essentiel qu'on a, c'est Kembe Negio. Entre temps, pendant Chita, pendant nos campés sous place Saint-Pierre là, n'a fait barrage là. Monsieur, le comme pour tout et aspect question, bien important. Moi, le chef des opérations de l'UNGPN, pour ton téléphone, bon moi, il dit, DG, monsieur, vous voulez parler avec vous parce que il y a deux policiers nommés. Il dit, qui monsieur? Il dit, monsieur, ça qui est important pour nous, c'est fait barrage là. Bon, si vous ne pouvez pas quitter la zone, je ne vais pas parler avec l'autre monde.
Quelques minutes après, Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, j'en dis là, j'en ai là, il dit, DG, besoin, et deux policiers qui nous mènent à me sauver, je ne parle pas là-bas. Il dit, commandant, fais sport. M'a géré une situation, je ne parle pas là tout autant que je ne parle pas de passer là. Monsieur va passer là. Monsieur insisté, entre temps, puisque tu as une information que le commissaire de l'USGPN, Dimitri Erard, dit pas raison que c'est dit pas avancé, on commence à avoir un doute. Et puis le Dimitri et puis me fait retrait en deux place Saint-Pierre-là, et puis me dit, monsieur, renforcez barrage. Entre temps, monsieur Assayon, rivé puis au Kinam. T'es un camion pompier qui a monté, mais par contre, c'est mairie. Et puis, les gars ont été là, ils ont eu espace là, ils ont eu barrage là. Et puis, sous le microphone, il y a un qui dit, dis, fais back. Et puis, je me dis, monsieur, pas qu'il n'y ait pas déplacé. Nous camper. Et puis, ils ont remonté. Et c'est là, entre-temps, que nous recevons un appel, Premier ministre, pour un CSPN. En urgence, nous remettre les CP à charge, et puis, descendre dans le CSPN. Donc, pour me conclure à ce ça, en tant que directeur général, le fait que le président a assassiné sous moi son dossier m'a toujours des questions pour me répondre là-dedans parce que le fait sous commandement, je n'ai pas de responsabilité. Mais de là à dire que je suis pourrianiste, que je suis nonchalant, pas de fin, là, je m'estime que. C'est mensonge lié. Parce que par raison, même si par raison t'as dit, il n'y a pas qu'à dire que je n'ai pas de bonne instruction, par raison est membre de mon cabinet particulier. Par raison a été en mission. C'est pas le téléphone, non, je n'ai pas l'instruction. On s'est rencontré sur la cour de la direction générale. Donc, c'est un membre de cabinet qui n'a pas l'instruction. Qui pourra secourir le président pendant que m'a mobilisé à 1h du matin, entre 1h et 2h, pour mobiliser tout le monde. Il m'a dit, il m'a dit ça, pour tout le monde. Il fait tout ça capable. OK. On fait un petit là, et DG, on fait un petit là, ambassadeur. Et lorsque Dimitri Erard dit que c'est Dié qui a opéré, d'ailleurs, il y a des enregistrements qui étaient publics. Côté que Gomoun Gab dit son opération d'hier. Est-ce que, dans toutes sortes d'affaires, est-ce qu'on a eu l'ambassade américaine pour demander est-ce qu'il est au courant que d'hier est la CAI président? Non. D'ailleurs, ce n'est pas moi-même, pour me rectifier ça, ce n'est pas moi-même, Dimitri Erard, qui a dit que c'est d'hier. Premier contact là, que ça avait pas raison. OK, les Parisiens sont mettent au courant. Est-ce qu'on parle de l'ambassade là pour demander est-ce que Dié est sur place, est-ce que Dié a une opération qu'elle a menée? Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Et même si c'est à Dié, là, ça couille à mon face Dié. Parce que c'est on attaque le président, on parle les personnes. On décision comme tu prends. Automatiquement, je finis de recevoir l'appel président. Mais tout le commandement m'a même, je me dis, je ne vais pas répondre au téléphone. Personne. Et c'est ce que j'ai fait. Le commandement m'a même, moi, parlé. Seul avec le Premier ministre, pour me dire qu'il a fait coordination avec elle. Laisse ça, qui l'a été comme ça, là, par le Premier ministre? Là? Bon, par le Premier ministre, l'homme qui était direction générale, là, de direction générale avec Vimutiel, bon, 20 minutes, mais lui, avant 2h, 1h45, même pas gagné, mais c'est avant que je me rive à Pétionville. Et sous place Saint-Pierre. OK. DG, ou dis-nous qu'à un moment donné, vous sortiez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant que vous expliquez maintenant là, vous dites que vous êtes sur route de frères. Nous, on est que un petit peu. Comme si on ne comprenait pas le trajet. Est-ce que c'est moi-même qui ne comprends pas, ou bien est-ce que c'est un erreur faire une explication pour Banou? Non, je ne sais pas quel erreur. Écoutez. Président Relim. Vous dites Delma 31. Vous dites Delma 31, après ça, vous dites votre frère. Oui, bifurqué, parce que ça passait. Monsieur le directeur général, président Relim,
Il dit, il est sous menace, il tire la caille. Moi, il n'est pas jeune. Donc, il faut m'abifuguer. Ça veut dire, je ne peux pas faire une route habituelle. Ok, il faut une route pour m'assurer que je suis advance. Et puis, je m'abifuguer parce que la route normale, là, c'était, après, je suis monté pour la route aéroport, monter Delma, arriver à Pétionville. Mais, je ne connais pas ce qui a passé. Quand il y a quand on attaque le président, il y a l'autre côté qui est bloqué. Donc, je n'ai pas besoin de faire confrontation pendant ma montée avec le président. Donc, moi, j'ai une comparaison déjà. Qui là, pas oublié. Bon, faire une rectification. Il vient de démontrer que pas de résistance. Le président a gagné. Les unités de sécurité du Palais national, c'est au responsable d'assurer la sécurité du président pendant. Quel que soit côté lié, la carte qui n'a pas l'air dans le déplacement et dans la province. Donc, président, il y a unité sécurité. Il y a réuni à peu près 1,7 million de monde de Gadi pendant que là. Je ne sais pas combien à quel que soit l'heure du jour ou de la nuit, pour le président, il y a un minimum 40 à 50 de cap sécurisé. Périmètre de sécurité, si on parle de pèlerin, okay? Devant le président, dans la rue, troisième nom. Deuxième nom, devant barrière, trois, ou bien dans barrière. Premier en dans Kaila, ou bien devant Kaila dans le salon. Donc ça veut dire, quel que soit le tir qui vient dans la zone, dans la tête, moi, en tant que directeur général, moi, j'ai un minimum, l'un jour, ou bien quatre teams qui sont unités spécialisées, counter, embouche, compte et embuscade. Spécialisé, il y en a une unité qui est bien entraînée. De la police. Ou bien USGPN qui sont l'autre unité spécialisée. Ok, monsieur Charles, dis-nous, lorsque vous apprenez que c'est la DIA qui a mené une opération, DIA, ok, bon, nous connaissons que Haïti a des accords qui signent avec les États-Unis qui peut-être autorisent que vous menez des opérations, mais lorsque vous dites que c'est DIA, la caille au président de la République, un, d'après me connaît qui ça t'es dit où est-ce que deux où t'es trouvé les normal toi est-ce que dans tête où t'es pensé c'est président qui t'a fait l'objet d'opération ça ou bien est-ce que c'est l'autre monde que dit t'a cherché la caille président dis-nous non on va faire considération ça du tout parce que président relève dit sur l'autre entité capteur si dit à monter opération comme ça dit dans la question de l'illégalité. Moi-même, pas même besoin qu'on ait si c'est dit ou pas. Okay? Parce que si la fête nous connaît, ça fait 10 par raison, qui a fait dit ou a dit là? Si c'est une opération régulière dans la zone, même pas dit qu'il y a un président, quelle que soit l'opération régulière dit a fait, je suis au courant. À moins que je ne sois pas connaît, je suis au courant. Donc, le commandant responsable de la sécurité du président, dit c'est dit moi pas prendre en compte déjà ouais une complicité commandant comment faut avoir comme ça c'est au coup prendre balle au président comment fait dit c'est dit donc moi pas le président pas l'ambassade mais est-ce que le patap mieux DG que dans moment où dit que quelle que soit opération cap mené dans environnement immédiat résidence président que le camper ça pas de continuer pas de guerre opération ou pas de dire ça. Non, par raison, c'est avec par raison à parler. Moi, je dis par raison, je ne suis pas d'accord avec la question. Je dis, dégagez-vous au monté en l'air. Ok. Peut-être pas attendre. Okay. Dégagez-vous au monté en président. Ok. Mais le juge Langel a dit que par raison, dit pas de guébaye concernant, dans l'ordonnance, le juge l'a fait état de. Par raison, tu as dit que le patron se voit à instruction de ce genre, non, mais M. Charles. Moi-même, c'est le problème, ça m'y a avec l'enquête là. Moi-même, c'était une enquête vraiment. Parce que moi, à devant le juge, là, quatre fois, juge qui a mené l'enquête là. Moi, j'ai en première fois, en deuxième fois, deux autres fois, moi, fait confrontation avec Dimitri Herrera Laguel. Moi, ma version, pas mal. Si dans le moment ça, le juge là, t'estime, il y a statut témoin, s'il a changé les informations additionnelles, le juge l'a gagné pour devoir. Je ne vais pas dire que ça pour le faire. Pour le faire pour votation.
Parce que moi, j'ai une déclaration à deux reprises, auquel devant le juge là, il a dit quatre reprises plus première comparution de fait, invitation de fait devant le juge Gary Olien, je n'ai pas jamais couru pour être là. Donc, au moins qui volontairement, même je me présenté, parce que moi, je dis, Léon Charles n'a pas couru pour enquête sur le président Jovenel Moïse. Il fait sous moi, j'ai une responsabilité, mais enquête va définir dans quel niveau de responsabilité que j'ai. Mais le juge là dit pas raison, et moi, pas raison, pas dit ça. Son interprétation liée, et même si tu n'as pas raison, tu as dit ça, pas raison, est ton inspecteur général affecté à mon cabinet, et c'est une équipe dynamique qui est dans toute opération. Il n'a pas dit ça. Et si, par exemple, tu as dit, bah, pardon, c'est pas mon voyelle. Par raison, tu es sorti torselle. Par exemple, tu as sorti deux torselles, tu montes, tu as tourné un peu tabac, ou bien éclaircine. Donc, il faut que le juge établi, fait ça, garder le rapport téléphonique, garder, faire confrontation. Moi, pas faire confrontation. Alors, bien entendu, jusqu'au dernier et présentation que je fais devant le juge là, et tout le monde est correct. Je retourne en tant que témoin et je me mets à la disposition. Vin bon changement dans le traitement VIP. Parce que je n'ai pas jamais demandé autorisation pour me tourner parce que je connaissais obligation pour moi aller devant le juge là pour m'aider en tête à avancer. Alors, moi, j'ai une liste d'une cinquantaine de questions pour me poser. Mais avant ça, et puisque non cité à plusieurs reprises, j'ai Vladimir Parizon avec moi là, directeur général, qui t'a remis pour te quelques précisions par rapport à ça que dit dans l'émission là. Excusez-moi, Wendel. Son enquête, je ne vais pas faire enquête là pour le juge là. Je ne vais pas faire enquête là pour le juge là, il y a enquête là, il est dans le niveau A, il y a une déclaration, on a pris une déclaration. Donc, si on a fait l'autre invitation pour Parizon, je ne vais pas faire là. Parce que là. Donc, on ne va pas faire ta contact là. On va faire ta contact là, Parizon est un inspecteur général. Oh, ok. Sauf que c'est une précision, c'est une précision que tu voulais porter tout simplement par rapport à. Il a fait après parce que Amri était sous concentration parce que qu'on y a l'âme grave. Ça c'est Oufel. Il n'est pas tellement correct. Mais, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des formations qui sont là, qui sont bien. Ok. Directeur général de la police là, pas grand monde qui t'a fait une mission personnelle. Que sous l'ordre du directeur général. Ok, bon. Okay. Mais on est d'accord que le Pavlé, il dit non. Non, c'est tout droit, c'est tout réservé. Mais moi, je m'en dis parce que j'en ai reparti bagarre, c'est comme si il y a deux directions générales, moi-même, moi, ton directeur général ou pas. Non. J'ai été instruit par mon chef d'alors pour me donner en mission et toute réaction gagne, c'est directeur général là qui gagne. Bon, eh bien, merci. À la fin de la journée, même pour monter comme président, le directeur général a dit, moins bon l'autre, même si vous fatigué, à un jour, vous y va. Bon, ok, il faut camper là. Parce qu'on connaît que moi, j'ai un respect pour lui tout, et c'est moi qui invite lui. Lui dit le passe. On va informer ça. Eh bon, eh bien, d'accord. Mais sauf que Mbao et Odiba qui t'a capable de déranger l'émission, sinon qu'on précise en compte à Bay, dis-moi, est-ce que d'accord que je continue à parler avec vous? DG Charles, ça dérange que tu précises ça? Parce que Mbao et que le dit rien, que tu es capable de déstabiliser ou de déranger, non, ça va dire. Oui, Wendel, on va d'accord. On fait mon énoncé, non? Et puis, bah, ils ont qu'à faire dans l'autre moment. Et oh, ok, d'accord. Pas de problème. Et comment on a pas raison? C'est correct. Ok, d'accord. Pas de souci. Je suis capable de faire une possibilité pour parler bientôt. Puisque ce n'est pas un bail personnel qui a réglé. C'est l'affaire d'un président qui a été assassiné. On connaît. Eh bien, d'accord. Parfait. Merci Vladimir Parizon. Ok. Oui. Et Monsieur Charles n'a pas avancé. Je te pose une question tout à l'heure sur l'ambassade.
vous n'avez pas appelé l'ambassade américaine. Ce n'est pas de préoccupation en un moment pour qu'on ait, est-ce que c'est DIE qui a opéré ou bien est-ce que ce n'est pas DIE qui a opéré, est-ce que c'est des mondes qui prend, qui utilisent les noms. Bon, bien que, il y a des gens qui ont condamné, le fameux Vincent, il y a des informations qui font quoi que c'est un informateur DIE qu'il y a. Est-ce qu'on est au courant de donner ça? Bon, fait, dans la première phase là, à chaud, le. Par exemple, monter. Moi, m'a privé devant le commissaire Petionville, place Saint-Pierre. Et l'information dit, il y a, moi, je t'ai, ça va m'intéresser, puis c'est arrivé qu'à président. Mais par la suite, parce que l'un finit de contrôler, parce que inquiétude, pas, en tant que directeur général, président Mouré, n'a pris disposition, puisque à Saint-Yon, on était dans la zone, n'a pris disposition pour nous, pour ne pas être sauvés, et puis pour nous prendre en vie. Parce que premièrement, on a tellement une suspicion que comment font chef de sécurité, un président, les deux, c'est l'autre monde. Et puis, on parle. Excusez-moi, calmez. Monsieur, ce n'est pas raison qui vient avant. Moi, du moins, même en tant que directeur général, si le président il l'aime, on va traverser les barrières, bah, lorsque je suis chef de bio, nous ne pas quitter le passé, plutôt nous faire refaire. Nous pas accès. Donc, comment on fait, président, on le point comment faire. Moi, elle la gueule finalement, pas jeune, mais pendant ma pointe, la gueule vient de l'aime. Je dis, comment ça s'est passé? Commandant, nous avons un problème. Nous avons attaqué le président. Nous avons résisté. Et puis, nous avons ouf. Parce que si il y a résistance, je vais bien arriver. Mais enquête, montrer. Et comment ça va me montrer? Le coordinateur n'était même pas sur place. Monsieur Charles. Est-ce que pardon, parlez-moi de système de renseignement, la police là. Comment ça t'est? Nous pas un système de renseignement qui était fonctionnel. Un. Deuxièmement, est-ce que pas aucune fuite, aucune rumeur qui t'est arrivée dans les oreilles? Parce que, il y a des informations qui ont circulé, qui fait quoi que, il y a des éléments, en fait, mettons de côté, monde qui était impliqué directement dans l'assassinat président, mais tu as des fuites, tu as des rumeurs que le président n'a pas assassiné. Nouvelle, ça n'a pas arrivé dans les oreilles ou même? Bon, pour me répondre à ça, je vais faire un package. Là. Et je dis ça pour l'histoire et la vérité. L'assassinat du président, il a commencé dans l'enquête sur le massacre qui fait la Saline. Deux ans. Parce que le mandat qui était émis, un mandat illégal qui était émis par, et un juge qui n'est pas même sur le dossier, qui demandait pour arrêter le président. Mandat ça, non juge là dans l'enquête là. Et moi-même, en tant que directeur général, l'homme rentre, le président relève. Il dit, Léonville, bon, on va contre 609, parce que 609, en pile des zones. Contre gang, et bien la sécurité dans le pays. On commence à faire avec 609 là. Et puis, quand j'ai attaqué gang, en novembre, moi arrivé en novembre 2020, le 16-19 mai salé. J'ai reçu un appel, parce qu'on m'a expliqué ça pour Cap Diou, qui est information, un appel de maître Mario Beauvoir, que je me suis rencontré aux États-Unis, où je parlais avec pour le dossier. Il dit, j'ai besoin de parler. Je ne vais pas occuper le maître là. Finalement, je me dis, qu'est-ce que ça? Il y a des mots ça. Marie Beauvoir, il m'a invité un petit bois. En tant que directeur général, je parle pour que tout le protège moi. Mal si bois, moi ça gagne. Et puis, mon installation, il dit, mon cher, Américain, mais où est-ce que le premier ministre? Il dit, oh, premier ministre. Comment on fait le président? Mon cher, fais ça, parce que le premier ministre, le président invité, le président mette là, je ne vais pas le président, fais ça. Mal si bois, moi, mon yo. Et puis, le premier ministre fait, moi, le président. Mal contre le président. Qui m'a noué, DG? Qui m'a noué? Ou dit, ouais, mon yo? Moi, ouais, alors, je ne sais pas. Moi, ouais, et comment il s'appelle? Mario Beauvoir, que je ne vais jamais rencontrer. Moi, ouais, Mario Beauvoir, dans un local, Tiboyo. Parce que, comme dit là, parce que, écoutez, local Tiboyo, moi, ouais, un ancien sénateur Latibonite, sénateur Bergom, derrière la caméra. Mais la police ou la vérité, je dois dire ce que j'ai vu. Et puis moi, je suis sorti, mal compris, puisque je parlais de Whitman,
mal contre président, je dis président, mais ça me connaît. Je ne vais pas parler de sa présidente parce que le président, malheureusement, assassiné. Je dis ça dans le commandement parce que vous avez contacté l'autre pour le commandement. Je dis, monsieur, comment ça passe? Fais attention. Bon, bah, comme dit là, c'est très bien que ça soit. Retirez qu'on a mal ça. Inspecteur général Gauthier, qui est rentré dans le commandement, c'est parce que le patron commandement, il est l'inspection générale. Parce que je débat un préavis dans le commandement. Donc, information était là, 7 février, par la fête, le président Rélim, l'on fait ça pour le faire, mais Mounio vient nous lâcher. Pas de attention sous lui. Kounien, t'es un groupe, c'est vrai, mais dernière information, pas de il n'a pas de gagner. Le système d'intelligence n'est pas parfait, il n'est pas étanche, il n'est pas capable. Mais, il est arrivé infiltré. Sécurité rapprochée, président. Lorsque Maître Laté propose pour que la vienne Premier ministre, quoi vienne ministre ou bien Premier ministre, est-ce que on va arrêter le moment parce que quand même c'était tout dit tout du que pas le soit un assassinat ou bien un coup d'état. Non mais même si ça me fait, mais former président et président dit lui au courant. OK. Moi informé instance internationale, l'ambassade américaine, l'ambassadrice et si sont comme dit dans des mots porte-parole qui parle de bagarre. Il dit non, don't worry about it. Donc ça veut dire nous vienne pas mettre focus sur ça. Non, en fait c'est comme sur ça. Don't worry about it. Ça veut dire que tout bagarre sous contrôle. It's not you know. Bon sujet. Don't worry about it. Il pas quoi là dans lui-même. OK. Oui mais pour prendre parce que quoi. Pour me prendre l'information, hein? Et puis, il dit, je ne suis pas occupé, je ne suis pas inquiété. Et puis, je continue le business de la police parce que je n'ai pas de... Bon, écoutez, je ne vais pas répéter ça, mais c'est pour répondre à la question. Hein? Oh, OK, là, là, on fait, là, on parle de Whitman, on fait allusion à Daniel Whitman. Oui, qui était dans le dossier, il est connu, Daniel Whitman, qui t'a dit, t'es mon complot, il faut le dire, t'es mon complot. Mais, il vient d'aboutir, 7 février, nous-mêmes, moi-même, moi, opération a été faite en dedans et Tibois pour nous capables, pour arrêter Mounio, il y a des gens qui étaient arrêtés, le passé, j'en passe, c'est la justice qui traitait, j'en traitais là. Mais, pour continuer, même, mandat ça, il vient nous reparaître l'assassinat de la présidence. Donc, ça veut dire complot, je parle de La Saline, Mario Beauvoir. Avocat RNDDH, Pierre Espérance. Pierre Espérance m'a fait un point sur lui dans l'heure. Et mandat illégal parce que le juge là, pas sous dossier. Donc ou associer assassinat président à deux bagailles. Massacre à La Saline il y a 2 ans et l'opération avortée du 7 février 2021. Continuité. C'est continuité. OK. On va prendre un petit pause, DG, le temps pour respirer, pour boire un petit de l'eau, puis Naptonin. Point Madjoa, après Pierre Espérance, là, pour bon petit temps pour vous. Apparemment, si je comprends l'intérêt qui poussait à évoquer non Pierre Espérance et Joseph Badio, c'est que Mounsao a fait des révélations qui apparemment dérangent. Qui s'est menti, qui parle la vérité, et juge la cité. Premièrement, je m'ai excusé, et télé-extratrice, mon capitaine regardé ça, de que si je suis monté parce que son mari qui m'a vécu chaque jour. Donc, je relax, mon petit de l'eau. Donc, excusez-moi si je suis monté le temps. Oui, Pierre Espérance, Badjo. Je fais précision ça parce que je n'ai pas de cas à parler, parce que je suis diplomate, j'ai des obligations de réserve. Quand je n'ai pas de parler, je ne vais pas parler pour me dénoncer, je vais parler pour me dire vérité, parce que bon, les gens veulent mettre des dossiers à sous dos, alors que tout le monde connaît, basé tout le monde, juge la connaît. Côté, l'homme président sorti. Parce qu'il y a tellement d'informations que l'État supposé. Parce que, ça veut dire, pas d'enquête. Parce que, qui s'allie?
pour le crime qui fait, un président ou assassiné, monsieur ne peut pas traiter le conseil à la légèreté. Ou dis-moi, m'impliquer. Parce que, bah, je dis, Pierre Espérance dit, Pierre Espérance, son menteur professionnel, tout le monde connaît en Haïti. Comment on fait prendre parole Pierre Espérance? Pierre Espérance impliqué dans l'assassinat président, jusqu'au coup, c'est l'initiel, avec mandat. Bon, faut descendre. Avec mandat, juge Noël Sisson. Et les faits sont là. Kounien Batcho. Quels sont ces faits? Non, pour Pierre Espérance, quels sont ces faits? Les faits, Pierre Espérance, fait juge Noël Sisson. Et mettre un président comme président de la République en fonction. Il n'y a pas de société à partir de rien. Oui, mais est-ce que le gain droit ça? Tout le monde connaît que Pierre Espérance, c'est un défenseur de l'homme, la dirige une organisation, sous qui base du café, il met un mandat pour arrêter. Et cela, Mario Beauvoir, c'est l'avocat du NDDH, même mandat ça a été présenté dans l'ambassade américaine à un moment, Mario Beauvoir a présenté, okay? Il a utilisé pour assassiner le caractère président. Ok? Et tout ça que tu as fait comme président. Mais bon, je retourne sur la question pour dire, avant de tourner sur l'espérance, je vais quitter le bout dernier. Badjo, oui, nous te connais Badjo. Après, en 2010-2011, au ministère de la Justice, je suis toujours apporté des années, dans le cabinet de la justice, Paul Denis. Je travaille avec Badjo pendant un petit temps. Mais Badjo, c'est Badjo, même si Léon Chagou. Je suis retourné aux États-Unis, je suis retourné en Haïti à plusieurs reprises. Depuis 2012, je n'ai pas jamais contact avec Badjo. Il me dit devant le juge. Et la nuit, durant la passation du président, relevé téléphonique dit que Badjo a dit 17 fois. Je ne pas répondre. OK? Donc, si vous avez fait ça, vous ne pas là, monsieur. Et puis, vous avez cité que le dit que vous avez dit. Donc, en question de crédibilité, au moins, si tu dis ça, ou tu as pris les moyens, bon, Max, c'est pour me défendre, quoi. Ou bien, mettez preuve que dans 10 dernières années. Un moment, qui est-ce qui dit que Badjo Relo 10 à 12 fois? L'enquête là, bon, rapport pour faire, monsieur Bia, il y a un ou le téléphone digicel, il y a 17 appels qui fait. Il y a un appel que je fais à président. Ok, il y aurait tout appel, il y a là, et technologie. Non, mais, en tant que soit appel Badjo, Badjo t'es relou vraiment ou pas relou? Bah, on est, bah, bon, bon, Badjo. Badjo, si on dit Badjo, il est, bah, bon, gagné, l'autre monde qui est là, il y aurait là, son ancien téléphone, que me gagné, l'homme n'a fait étranger. 48, 88, 98, 98, que me pas utiliser. Peut-être qu'il y a pris sur l'autre téléphone, mais pour qui ça y a pris l'homme? Donc, révélation, ça, c'est qu'est-ce qui fait? C'est Pierre Espérance qui fait, qui dit Badjo Relo plusieurs fois? Oui, Pierre Espérance fait. Bonjour, Pierre Espérance. Pour qui t'aimes finir sur Badjo, s'il te plaît? Ok, d'accord, on allait. Badjo, je ne vais pas à Badjo, ni dans la semaine, dans le jour assassinat président, ni dans la semaine, ni dans le mois, ni dans les 12 dernières années qui passent avant. Comment on est capable de connecter à Badjo? Okay? Donc, c'est le juge a mis de la décision dans le point qui fait dire Léon Charles est complice. Mais c'est de la méchanceté. Les gens veulent écraser l'enquête président. Moi, je remets des missions pour me cabaler. Au fur et à mesure, je parle avec moins d'émotion ou avec Suzanne. Mais le Dieu, monsieur, qu'un président assassiné dans plein de dernières siècles, et puis, quand il y a un abdi, il a fait des supputations, abdi, que, a évoqué, des questions au discours, président estimé, pour dire les bergers ont livré. Mais écoutez, pas d'enquête. Pas d'enquête, moi-même, ça m'a fait là. M'a fait bataille ça, pour me laver non. Parce que je n'ai pas rien pour moi, président. Sauf que, moi, j'étais directeur général. Pour PSPS. Le personnage de l'espérance, défenseur des droits de l'homme, de tout temps, mais c'est le monde qui viole plus de monde dans le pays. Il est posé en tant que juge. Pierre Espérance a un réseau de tous côtés. Premier bataille, je vais faire Pierre Espérance, parce que je me rencontre tout le temps. Pierre Espérance a un réseau dans la police, dans tous côtés, dans le commissariat. Si on incite dans le passé, je vais reconnaître Pierre Espérance parce que la paix est policière dedans. Je vais faire bataille avec elle.
le jour où l'homme vient arrêter Colombien, avec l'aide de population, bien entendu, je ne vais pas prendre crédit ça. Je commence à faire opération hein, parce que l'objectif, c'était pas quitter ou assassiner le président et Assayan, pour me faire les morts, pour me faire enquête là. Le 7 juillet, je transfère les gars de CPJ, transféré les gars de commissaire à Pétionville à de CPJ. Premier monde, il y aurait le mieux dit, mais j'espère que vous ne voulez pas la monde. Il me dit, pas qu'il m'aille comme ça. On a fait enquête. La police a fait enquête. Mon nom a venu. Nous avons la situation où on a violé le droit. Pour le président mourir, on a posé la question, nous pourquoi pas accès. Père Espérance, je ne pas donner pour ça. Père Espérance participe dans plusieurs rencontres. Emmanuel Sanon est organisé. Père Espérance, il l'aime. Jour assassinat président, pendant ma bonté. Ok? Pierre Espérance Kounia, l'on connecte tout ça. Oui, mais c'était pour dire qui ça, le réel, là? Pas répondre. Non, donc vous ne connaissez pas qui ça, le bal dire? Pas besoin de parler avec vous, ça l'a pris. Non, mais est-ce que. Bon, non, mais DG, est-ce que ce n'est pas au manquement bon côté tout le fait qu'on ne peut pas répondre? Peut-être que vous êtes capable de dire, sous pas au courant, tu n'as pas alerté au bout du que, attention, la vie du président Jovenel Moïse est en danger, et que pour presser le pas, pour qu'arriver, est-ce que ce n'est pas ça tout que le bal dire? Non, pas est-ce que ça tête pas suspect, pas attendre, parce que le président n'est pas là avec. Oui, mais président. Monsieur Charles, comment tu fais qu'on est déjà que le sont suspects, puisque l'assassinat était en cours, en quelque sorte? Je ne vais pas aller. Je ne vais pas faire enquête là pour le président. Je ne vais pas faire enquête là pour le juge. Le juge a fait enquête, il a décidé, moi, Père Espérance, laver, Léo Charles est inculpé. Je défends ça. Mais je dis, pour l'histoire, la vérité, Père Espérance participer dans toute planification de. Production rapport que le fait sous la saline, mandat illégal que le juge ne le sait pas. Mais M. Fonpalel, il faut le dire ça. Pour qu'il s'associe.